Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un épisode de En route pour le niveau 100 avec notre petit roublard Clampin, on se retrouve sur l'écran de lancement du jeu pour vous montrer que là je viens de lancer le deuxième abonnement de une semaine en no green grâce au kama que je me suis fait pendant la semaine, donc je suis arrivé niveau 48. J'ai fait pas mal de donjons succès avec des abonnés. Oh voilà, j'ai encore vendu plein de trucs en plus, c'est génial. Je voulais les garder. Voilà, j'ai gardé plein de trucs, je voulais les accepter avec vous en vidéo. Normalement 45-50 et voilà. Et si je fais une petite déco reco, il y en a pas mal qui vont encore se... Bon, bah, je vais le faire avec vous. En plus, on a gagné, regardez, pas mal de kama. En plus. Voilà. On se reconnaît, donc on arrive déjà niveau 50, ça c'est génial. Vous voyez pas, mais si sur les côtés, voilà, il y a plein de trucs qui viennent de se débloquer, on va encore les accepter. Et voilà, nous voilà déjà niveau 52. Donc ça c'est très très cool. On va faire ça, donc moi j'étais en train de me demander, parce qu'en fait je vais vous expliquer, j'ai changé pas mal de trucs. Donc j'ai oublié le métier forgeur de marteau pour apprendre alchimiste, donc j'ai fait... Je suis remonté à, comment dire, à Macna, faire toutes des petites quêtes de merde pour pouvoir avoir le métier, c'est pas bien compliqué. Hein. Et j'ai appris alchimiste parce que j'ai découvert quelques petites techniques qui pourraient être cool. Je me suis dit que dans cette vidéo, je vous les montrerai au moins une fois toutes. Regardez ça, le nombre de kamas qu'on s'est fait, quoi. C'est des à-coups de 3-4 000 kamas, on en a eu 10, donc on s'est fait presque 40 000 kamas. Donc ça coûte 390 000. J'ai acheté une panoplie Prespic. Qui est ici. J'ai même acheté l'anneau FM Sasa. Elle est là, elle est là et elle est là. Voilà, elle est pas, j'ai pas trop mal. J'étais justement en train de me dire que j'allais vous montrer les techniques avec alchimiste et pourquoi pas peut-être un changement d'élément. Oula, 150 000 cabres en banque, ça c'est cool. 540 000, ça c'est super. Surtout qu'on est réabonné une semaine, donc on peut. On peut y aller sans souci. Donc je vais vous demander à vous. On le fera pas dans cet épisode-ci, mais pourquoi pas. Je me suis dit que on essaierait bien de passer peut-être haut. Faire un personnage haut Sasa. En fait, parce que je sur l'officiel Capitaine Flamme, mon roublard, je l'ai restat full Sasa. Et il s'est avéré que cet élément est juste énorme. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve vraiment super bien. Donc, on a débloqué pas mal de ressources avec les succès. Ça, c'est cool. Ah oui, je suis allé refaire Blitzkrieg. En tout cas, enfin, je vais vous le montrer. Tous les donjons qu'on a fait, donc c'est des donjons de 1 à 50. Voilà, donc le melee, je l'avais fait avec vous. On a fait le donjon des champs, le mob l'éponge, le bouffetou royal, le scarafeuille, on l'a pas fait parce qu'il devait partir. On a fait le squelette, le bourg, donc on a la maîtrise des armes et l'invocation de Chafferfu. On a fait le forgeron. Et voilà, on en a fait quelques-uns. On a fait tout en une soirée, on s'est bien marré. Donc ça ne coûte absolument rien malheureusement. Donc le truc c'est que je pensais c'est remettre peut-être la panne. Ah oui, en même temps aussi j'ai droppé une... Non, elle est ici. J'ai droppé une cape bouffetou dans le donjon. Le jet est totalement pourri, mais bon, ça fait toujours des kamas. J'ai débloqué aussi, enfin, j'ai droppé quelques petits items dans le donjon. Je vous les montrer, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà, j'ai droppé un anneau champ. J'ai droppé pas mal de trucs. Il faut toujours que je rende le bâton de ton hata à Ziki. Je crois que c'est Ziki qui s'appelle. On va faire un petit tour sur la guilde. Alors, donc on est déjà niveau 18, on est 58 membres, donc on est toujours complet. Donc à chaque fois que qu'en fait que je me connecte, souvent on a pris, voilà, à chaque fois les... Entre vous, en fait, vous vous invitez parce que je vous donne le droit d'inviter des autres. Mais bon, à chaque fois que je me reconnecte, ben, y a des gens à l'SF, donc faudra que je le refasse, je le ferai hors vidéo parce que c'est un peu chiant à regarder de faire tout ça. Donc on va commencer la première partie de la vidéo par faire... des astuces kama grâce à notre métier alchimiste. Vous allez voir, ça va être assez rapide entre guillemets. Donc on va commencer. C'est quoi ce machin là? Donc alors on va aller
à l'hôtel de vente des ressources. On va prendre la petite calculette. Elle est là. Voilà. Donc alors, pour commencer, un truc que j'ai essayé qui s'appelait les potions de crapaud mufle. Je vais voir si j'en ai pas encore en vente. Si j'ai des pots de déni, on va les changer les prix. Et Niripsa, 13 450. Oups. Désolé, j'ai un peu mitraillé la touche. Je suis con, j'aurais peut-être dû mettre les ressources que j'ai débloquées en banque. J'y repasserai, c'est pas grave. En plus, nos potes qui commencent un peu à augmenter. 13 450, merde. Mode de vente. 13 449. Non, par 10. 13 449. Allez hop, voilà. Donc, ouais, donc faut que je vende encore tout ça, donc on arrivera à presque 700 000 kama. Hein. Donc, ce qui est en fait le truc pour se faire beaucoup d'argent, c'est d'aligner beaucoup de techniques. Peut-être qu'il ramène pas énormément, mais aligner beaucoup de techniques. Donc voilà, il nous va nous falloir des peaux de larves bleues qui coûtent pas cher. Ah bah les prix ont augmenté, mais c'est pas grave. Donc plus ou moins, oui, 50 000 kamas les 100. Ça revient pas super cher, vous allez me dire. Il nous faut du sang de bouffetou. Il est où? Sang de bouffetou. Voilà. 7 500 les 10. On va en prendre. Voilà. Ça, les prix sont légèrement abusés. On va en faire que 10 parce que pour vous montrer. Et il nous faut 10 œufs de tofu. Je les ai encore. 10 œufs de tofu. Voilà, 200 kamas. Donc, on a dépensé. Attendez, ça faisait 7 000, 15 000 plus là 200. On va aller à l'atelier des alchimistes. C'est juste à côté. Voilà. On va les créer. Donc, c'est une recette invisible. Voilà. On va en faire 10. Il s'agit de la potion de crapaud mufle. Franchement, ça dépend des jours, hein. On peut monter jusqu'à 150 000 kamas les 100, comme il y a des jours, elles sont à 50 000. Enfin, c'est vraiment bizarre. J'espère que on va se faire un minimum de bénéfices là-dessus. Et les ressources sont vraiment. Il y a des jours, c'est cher, il y a des jours, c'est pas cher. Enfin, soit des crapauds mufles. Voilà, là aujourd'hui, malheureusement, elles sont à 5 000, les 10. Mais vous pouvez voir que le prix moyen, c'est ça revient à 8 000. Donc, ça dépend des jours. Moi, je vais les mettre en vente. Voilà, donc j'en ai encore pas mal que j'ai faite ce matin. Voilà. Et alors voilà, ici, potion larvée, c'est la deuxième technique. Donc c'est du sang de bouffetou et des comment ça s'appelle? Des peaux de larves orange. Soin larvesque. Voilà. Donc faut que je baisse mes prix. 14 000. Celle-ci, elle est vachement plus rentable que l'autre. Ça dépend des serveurs, hein, encore une fois. Faut vraiment regarder de votre côté et choisir. Moi, je vous en montre pas mal des techniques. Et puis après, vous choisissez de votre côté ce que vous voulez faire. Alors, l'autre, c'est les potions de souvenirs. Qui sont ici, qui sont à 8 500 les 10 et 64 000 les 100. Vous allez voir. Recette associée, c'est les graines de pendouille. Et la baffe de bouffetou. On va essayer d'en faire 100. En plus, ce qu'il y a de bien avec ce métier, c'est que c'est rentable, mais en même temps, vous XP votre métier. Donc, on va aller à l'hôtel de vente des ressources. Par contre, ah oui, on va mettre le truc absent. Je suis en vidéo. Et la guilde est pleine. Parce que j'ai vu que dans les commentaires, vous aussi, ça vous saoulait le fait que je me fasse MP tout le temps. Vous m'avez dit de mettre en mode absent, mais au moins les gens, ben, quand ils envoient quelque chose, ben, au moins ils se prennent pas pour des cons, entre guillemets. Donc ils recevront ce message-là obligatoirement. Donc alors, les graines de pendouille, elles étaient à 40 000, il me semble. Oh, 36 000, voilà, ça a baissé. On va en profiter. Merde, cause de surcharge. On va vite aller à la banque. On va déposer nos affaires. Donc j'ai essayé de faire les doppels presque tous les jours durant la semaine. J'ai réussi à le faire 4 ou 5 fois puisque j'avais d'autres choses à faire. Hein. Et on va mettre tout ça en banque.
Et à chaque fois, j'ai pris des parchemins. C'était de sagesse, il me semble, ceux que j'ai pris. C'était les plus chers à la revente. J'irai avec vous après. Il nous faut 1200 pods. Je crois qu'on les a. On va même en faire 200. Comme les graines de pandouille sont à pas cher. Alors, hôtel de vente des ressources. Donc, alors en plus, je vais tester un truc à la fin avec vous. Une technique qu'on m'a proposée, mais que je vais essayer. 36 000, voilà, elles ont augmenté, vous le voyez. Les baffes de bouffetou. Non, on va en faire 100. 8 000. Donc, si on fait le calcul, si on les revend par 100, elles sont à plus ou moins 65 000, on va dire. Et là, on a dépensé 36 000 kama plus 8 400 kama. Ça nous fait 44 000 investis. En plus de ça, on XP notre métier. Et si on les revend à 8 500, les 100, non, les 10, pardon, moins les 44 000 kama, ben, on se fait un bénéfice de presque le prix qu'on a investi. Donc c'est presque du x2. Et en même temps, on XP notre métier. Donc c'est vraiment bien. Sinon, il y a un autre. Vous avez pu voir en banque, j'avais des levures de boulanger. C'est une autre technique, ça c'est pas vraiment pour se faire de l'argent, c'est juste pour XP le métier, donc ça coûte vraiment rien. Il s'agit d'acheter des poudres de perlimpinpin, ça coûte 2000 kama les 100 et 100 d'eau. Et alors vous pouvez faire 100 levures et les revendre soit à l'HDV, soit les revendre directement à un vendeur, comme ça votre eau, entre guillemets, elle est rentabilisée. Mais c'est vraiment une technique pour monter vite le niveau de alchimiste. Et vous allez voir que plus on, même en montant de niveau, il y a pas mal de potions qui vont s'ouvrir à nous. On pourra faire pas mal de trucs avec. Il y a un autre truc qu'il faut qu'on aille essayer. Ça, je ferai sûrement une petite ellipse pour vous le montrer. C'est bêtement aller sur Pandala, faire de l'achat et puis de la revente à Bonta. C'est très très con, mais j'ai l'impression que ça va marcher. Qu'on a presque terminé. On est passé niveau 26. Allez hop, plus que une. Voilà. Donc l'HDV est juste à côté, ça c'est cool. Alors, souvenir. On va voir le prix exact. On va les mettre par 10. Hein. Je vois pas pourquoi on les mettrait. Voilà. Voilà, 85 000 kamas en vente. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, j'en avais testé. Attendez, il faut que je regarde parce que les potions de vieillesse sont ici. Deux de chanvre et deux baffes de bouffetou. Donc si on va en faire 100, il nous en faut 200. Le chanvre, il n'y en a pas beaucoup en vente, c'est ça le problème. Je vais aller voir à l'HDV des paysans avec vous. Et je voulais surtout, c'est vous demander pour le fait de passer au Sassa. Non, c'est pas là. Le chanvre, il est ici. On va. Attendez, c'est que je fasse le café. 9 000, 9 000, ça fait 18 000, plus les baves. Non, on ne se fait pas de bénéfices, donc on va pas les faire. Mais. Attendez, on va juste regarder les riz. Oui, donc je disais, passer. Comment dire? Passer haut, ça en fait, donc on se mettrait dans les stats full sagesse, mais on aurait un stuff haut, donc ça nous permettrait de taper avec les bombes et avec Reski. Donc d'un côté, on enlèverait des PA presque à chaque fois. En plus, Reski tape très très fort maintenant, hein. 26 à 30 pour 4 PA, donc ça c'est bien. On aurait la bombe à eau qui enlève un PA et on pourrait XP beaucoup plus rapidement. Et comme une fois niveau 90, ben on aurait le tromblon qui est le sort par excellence des roublards hauts, qui est vraiment très très bien. Et en même temps, bon, on serait un petit peu atypique parce que ben voilà, les roublards hauts, ben, il n'y en a pas tant que ça. Et ça pourrait être pas mal, je pense. Donc c'est pour vous proposer, hein, je vous le mets dans les commentaires, à vous de me dire si ça vous plaît ou si ça vous tente. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait faire. Attendez, je vais montrer. Donc c'est tout con, hein, vous regardez. Il y a les élixirs qui peuvent ramener pas mal. Mais bon, on attendra d'avoir le niveau 40 pour pouvoir les faire nous-mêmes. Comme ça, en même temps, on XP notre métier. Donc voilà, regardez un petit peu les ressources. Ça ne coûte pas cher du tout.
Voilà, par rapport au prix moyen, et voilà quoi, 450 000, c'est pour vous TP directement au donjon. Ça coûte pas cher du tout, et ça peut être pas mal. Il y a les pensions, je sais pas comment on les fait, on va regarder, c'est encore une recette secrète. Les mini-soins, ça, nous en tout cas, ça ne nous sert à rien. Les popos de rappel, on pourrait essayer d'en faire. Ça dépend le prix des trèfles à 5 feuilles, mais en même temps, ça nous fera XP le métier. Vous voyez, un par 10, 800, c'est le double du prix. Bah, vous savez quoi, on va essayer. On va en acheter 100, 4500 kama, on va les revendre par 10 à 840 kama. Voilà, soyons fous. Je crois que c'est bon, ouais, je vais en garder, allez, 15 pour moi. Je crois que j'en avais déjà 15. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire d'autre? Non, les potions minérales sont pas mal. On peut les faire nous-mêmes, en plus ça nous fait XP. J'ai essayé l'autre fois, ça a bien marché, donc voilà, c'est ça l'autre technique que je voulais vous montrer. On va aller en faire nous-mêmes, donc on va aller à l'HDV de ressources. Est-ce qu'on a la place? Oui. Alors, les pattes d'arachne. Elles sont là. 18 000. Putain, elles ont augmenté. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Non plus. Non plus. Elle est où la calculette? Ah, je l'ai fermée. Quel con. Voilà, alors. 18 500, on va arrondir. Donc, on a bien vu, c'était plus ou moins 9 000 les 10. Donc, si on les revend, ça nous fait 90 000. Hein. Hôtel de vente des mineurs. Alors, l'étain qu'il nous faut, il est là, 9 000, donc on va mettre 10 000 les 100, et du silex, qui est ici, 44 000, donc ça nous fait 45 000. Donc voilà, 73 000 kama, et on peut les revendre à 90 000, donc en plus de ça, ça nous fait vachement XP notre métier, ça c'est très très bien, et c'est très rentable comme technique, donc on va en faire avec vous. Voilà, surtout que les prix sont plus ou moins fixes. L'étain, ça dépend des jours. Vous voyez, hein, ils sont à 6000 unités. Là, maintenant, ils ont augmenté un petit peu. Les pattes d'arachne, ça, c'est... En plus, c'est super facile à dropper, les pattes d'arachne. Il y a, pour ceux qui veulent aller essayer, devant le temple Sram, il y a plein d'arachnes et vous pouvez les attaquer. Je vais voir si c'est pas plus rentable les acheter par 10. Bah non, c'est pas plus rentable. Tant pis, on en aura 10 en trop. L'atelier des alchimistes, voilà. Donc vraiment, ce métier va être vraiment pas mal pour nous faire des diamants entre guillemets pour l'abonnement. Et de l'autre côté, bah, faudra qu'on continue à monter. Bah, si on avait mineur de monter, bah, déjà l'étain, on le payerait pas. Les silex, ça par contre, on devra les payer parce que il faut les dropper dans le donjon crackler. Donc voilà, en plus, c'est nos XP, 25 XP. De métier par potion, vous pouvez voir, ça augmente assez vite. Et quand on aura, voilà, quand on passera à niveau 40, on aura accès aux élixirs. Et là, on va pouvoir vraiment nous faire pas mal de kama, vous allez voir. On pourrait essayer de faire aussi les potions d'enclos de guilde qui sont pas mal. Il y a les potions de foyer de guilde. Enfin, il y a vraiment beaucoup de potentiel à ce métier. Et je pense qu'on va le monter. En plus, c'est vraiment un des plus faciles à monter. Si vous voulez, entre-temps, les deux vidéos, j'essaierai de le monter niveau 40 avec, avec les levures. Comme ça, ben, on expérera pas mal. Bon, on perdra un petit peu de kama, mais bon, c'est pour atteindre le niveau 40 pour pouvoir s'en faire encore plus, vous allez me dire. Donc, c'est de l'argent rentabilisé, on va dire. Allez, hop. On a bientôt fini. Voilà. Donc par contre, peut-être pas dans cette vidéo-ci, mais dans la vidéo de demain ou d'après-demain, je verrai bien. Je vais essayer de faire intervenir un abonné qui est devenu un ami. Les potions minérales, voilà, on va les mettre à 9000. 8199, voilà. Toujours un kama plus bas. Ben voilà, notre HDV alchimiste est plein. Donc ça, c'est bien. Les fioles à éléments, elles sont où? Ben, c'est toujours nous qui sommes en vente, je pense. Fioles à éléments. Attendez.
Ouais, non, le prix a baissé. Enfin, c'est pas grave. Par contre, j'ai trouvé oui, une autre technique. Les tubes longiformes, ils partent pas mal du tout et on peut les acheter à un PNJ à 5 km unité, ou 10 km unité, je sais plus. Et j'avais été en chercher. Attendez, c'est. Je vais vous le montrer. C'est à l'atelier des alchimistes à Alcama. À Alcama, bien. À Amakna. Qui est. Je suis sûr que vous êtes sur votre écran. Oh, il est là. Il est là. L'atelier des alchimistes. Donc vous prenez ce zap là. Vous venez là. Vous achetez des tubes longiformes. Vous remplissez votre HDV. Et ça part vraiment pas mal. Parce que les tubes longiformes, ils servent à faire les potions de soins et les potions de soins supérieurs qui sont beaucoup utilisées pour les gens qui veulent gagner des kamas tout en montant leur métier, donc en cueillant les fleurs et en les revendant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? J'avais vu qu'à l'hôtel de vente des bûcherons, il y a des bois qui en planche coûtent beaucoup plus cher. Donc on va regarder un petit peu. Oui, les planches de Cococo, sachez bien qu'on peut se faire un petit bénéfice là-dessus, mais il faudrait qu'on aille sur Moon. Alors, on va regarder. C'est pas Merizim, il me semble que c'est Charme que j'ai dit. Voilà, elles sont à 70 000 kamas, l'unité. Et il en faut 20 pour la faire. Donc, techniquement, les charmes sont à 330 000. Donc, attendez. Si on fait 330 000 divisé par 5, donc ça ce sera le nombre qu'on peut en faire avec. 330 000 divisé par 5, ça nous fait 66 000. Ouais, ça fait 24 000 kamas de bénéfice. C'est pas énorme. Je préfère pas tester parce que les planches de charme, en tout cas, elles partent super vite, quoi. C'est ça le problème. Le bois de charme, en fait, je crois que c'est le bois qui coûte le plus cher avec le tremble. Même pas le tremble coûte moins cher. On va juste regarder s'il n'y a pas. À part les planches. Non, c'est les planches qui servent à quelque chose. Ouais, pour faire l'essence de forêt. On va regarder. Bois de charme. 124 000 l'essence. Donc ça fait plus ou moins. Ça devrait arriver à 25 000 la planche. Ouh! Oh oui, on va faire ça. Bois de tremble. Voilà. Vous allez voir le bénéfice qu'on va se faire. On en achète 100. Bon, d'accord, ça coûte un peu cher. On va aller hôtel de vente des mineurs. On va mettre notre hache. Hôtel de vente des mineurs. Voilà, on monte au-dessus. Ça, c'est pas con. Je viens de découvrir la technique en même temps avec vous. 50 000 kamas l'unité, quoi. C'est abusé. On se fait le double de bénéfices en fait. Ah ben, on a un succès d'exploration en plus, c'est cool. Là, si, voilà. Les boîtes tremblent, on va en faire 5. Voilà. On va y retourner à pattes puisque c'est tout près. Non, 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 on va pas par là, tu vas te faire aggro, toi. Voilà. Donc aussi, ouais, vous avez pu voir que notre corba qui l'augmente au fur et à mesure. J'ai failli acheter un deuxième qui était à 30 000 km à plus 13, mais je me suis dit que déjà un, ce serait pas mal. Et puis voilà, on va pas péter le marché avec ça. À l'hôtel de vente des bûcherons. Alors, les planches de tremble, 53 995. 53 995. Je crois qu'on va en refaire. Ouais. Non, on va attendre pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pendant la semaine, ben je viendrai en refaire. Ça, c'est sûr. On va voir un petit peu les autres planches. Boîte bombue. Non, on va regarder juste les planches de l'autre côté qui coûtent cher. Bois d'orme, laisse tomber. Ça coûte trop trop cher. On va toujours regarder. Bois d'orme. Ouais, ça revient. Ça coûte. C'est con qu'on peut pas le faire dans tous les sens, hein, parce que ça nous reviendrait à plus cher moins cher d'acheter les planches et de revendre les bois. Donc, alors les planches de bois de bambou sombre. Bambou sombre.
120 000, c'est pas mal, attendez. On devrait avoir les planches à 26 000. Et là, les planches sont à 34 000. On peut l'essayer. Je regarde juste à quoi elles servent encore pour les essences de bosquet et ceux de forêt. Ouais, on va en faire. Les bois de bambou sombre, ils sont ici. En plus, ils sont pas chers du tout. Genre, si on peut en acheter. Non, on va en faire que par 100. On va regarder s'il n'y a pas d'autres bois qu'on pourrait aussi se faire des bénéfices avec. Mais limite, j'ai bien envie de refaire des trembles. Quand je vois le prix, c'est affolant. Quoique non. Oui, alors je les revendrai par 10. Ouais. Et ça coûte combien? 140 000 unités. Ouais, non, je crois que c'est pas. On va pas tenter. Les bois ancestraux, ça coûte trop cher. Limite, on les achète par 10, on les revend à l'unité. À quoi ça sert les bois? Dis bon, ancestraux, une planche. Non, laisse tomber. Alors, les bambous sacrés, non. Bois de charme, on a déjà essayé. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est acheter ça par 100 et le revendre par 10. Non, ce serait pas gentil. Les bois d'ébène, les planches d'ébène, combien elles sont? 9 000, ça nous fait. Non, il n'y a pas de bénéfice. Oui, je deviens bon en calcul mental. Alors, du bois de chêne, on en a encore pas mal en banque en plus. Les planches de chêne se vendent 8 000. Et le bois, 12 000. Oh! Oh oui! Oh oui. Est-ce qu'on a encore? Non, on n'aura pas assez. On va aller faire déjà les boîtes de bambou. On repassera à la banque chercher ceux qui nous manquent. On va le faire. Hôtel de vente des mineurs, on avait dit. On va remonter. Allez hop à droite. On va aller faire nos petites planches. Donc là, il y a un bon petit bénéfice à se faire, hein, vous allez voir. Vraiment, pour vous faire des kamas, il suffit de faire le tour des HDV. Hein. C'est très très con, mais il faut vraiment regarder un peu de tout. Qui met pas les droits au nouveau, qui pas de poser. Je les changerai, t'inquiète pas. Alors, on va faire ceux de bambou. Voilà. Donc ça nous fait rien XP, hein. C'est un XP la planche, mais bon, c'est toujours ça. Faudra en même temps que j'essaie de monter mineur niveau 10 une bonne fois pour toutes, parce que à chaque fois pendant la semaine, je dis que je vais le faire et je le fais pas au final. Mais là aujourd'hui, je suis content parce qu'on va se faire pas mal de kama aujourd'hui avec vous. Et ça, c'est bien. En tout cas, nos planches de tremble, de charme, pardon, non, de tremble, se vantent là. On va se faire vraiment un gros gros bénéfice. On va aller à la banque. Voilà, ici, on va essayer de garder toujours une base de 100 000 kamas, plus ou moins, pour avoir toujours quelque chose pour repartir. Le coffre humain, là, ici. Du bois, 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 bois. Le voilà, le bois de chêne. Donc, il faut qu'on en achète encore 25. Le bois de châtaignier, limite. Non, on va le garder, on sait jamais. C'est pas normal de mettre droit de poser un perco, car c'est XP la guilde. Mais si, oh là là, je vais te les mettre après. C'est juste que si je réponds en vidéo, ça va s'enlever. Bûcheron. Allez hop. Les planches. Alors, on a des planches de chêne. On va les garder, on va les refaire après. Des planches de bambou sombre. Elles sont à 34 000, donc on va les mettre un kama en dessous. 33 929. Il veut pas. Si, voilà. Alors, le bois de chêne qui est ici. On va. Voilà. Il nous en manque 5. Comme ça, on aura le bois de chêne qui sera parti. Allez, hop. On va vite aller les faire.
Et puis je pense qu'on se laissera là-dessus sur une trentaine de minutes, c'est pas mal. Rien que de technique Kama. Et en plus, je suis désolé de ne pas avoir fait d'épisode le dimanche. C'est parce que j'avais des choses à faire de mon côté. Hôtel de Vendée mineur. Voilà. Et bientôt le niveau 60, donc on devrait essayer d'acheter notre Dragodan. Donc on aura un des premiers objectifs qui sera rempli. Et ça c'est bien. Donc on avance au fur et à mesure. Hein. Donc notre niveau, on est déjà niveau 52, ça c'est bien. On augmente des métiers, les kamas augmentent aussi. Donc c'est vraiment cool. La série avance pas mal, je trouve. Voilà. On y retourne, on va les mettre en vente. Donc pour ceux qui veulent, hein, essayer la technique aussi de votre côté, peut-être me dire dans les commentaires si sur votre serveur, s'il y a des bois qui sont beaucoup plus chers que d'autres ou quoi, bah comme ça peut-être pour les gens qui regardent la vidéo mais qui jouent pas forcément sur ce serveur-ci, sur Ulette, eh ben, ça pourrait peut-être leur faire du bénéfice. Et c'est toujours cool de s'entraider entre vous. Je suis pas tout seul non plus pour faire des astuces tout le temps. Mais si là je suis assez content, j'en ai trouvé des pas mal. Regardez tout ce qu'on a en vente. Hein. On va faire le calcul. Comme ça, on va faire un petit peu rêver. Donc on en a 33 999 x 5 plus 53 995 x 5 plus 79 995. Donc voilà, on a 520 000 kamas en vente. Rien qu'ici, on en a plein l'HDV alchimiste. Bah limite, on va faire tout le calcul avec vous. Comme ça, on rigole un petit peu. Hôtel de vente alchimiste. Non, vendre. Alors, les potions de souvenir. On avait plus, on avait 85 000 kamas ici. On avait 90 000 kamas avec les potions minérales. 15 000 avec les potions larvesques. 8 400 avec les potions de rappel. On a quoi encore? Les potions de crapaud mufle, j'en avais. À limite, si on va pas les compter. Plus les kamas que j'ai sur moi. Voilà, ça nous fait 850 000. Plus ou moins, hein, ça se joue à quelques kamas. Ça, c'est très très bien. On avance vraiment bien. On pourra essayer rapidement de racheter. Des ogrines pour la semaine prochaine. Donc on m'a dit par contre un truc que j'ai fait et que ça a vraiment marché, c'est je crée mon offre. Vous voyez là ils sont à 340. Donc là s'il est mis non. Voilà, je veux 700 ogrines à ouais, on peut les mettre 290. Voilà, 203 000. Je vous jure, je les ai mis dans la journée. Il y a tout qui était parti. C'est abusé la vitesse que ça va. Parce que les gens, en fait, ils achètent des ogrines sur le site et ils les mettent en vente. Et les gens, ils peuvent acheter avec leurs ogrines vos kamas, en fait. Je sais pas si vous comprenez, c'est comme on veut ici. C'est pas là, c'est la bourse aux kamas qu'on doit cliquer. Non, c'est là. Non, j'avais rien dit, c'était bien là. Donc là, je désire. Je sais pas moi. 2,5 millions, on va dire. Eh ben, le gars il doit payer 9 834 green. Ah, les popos de rappel qui se vendent par 10, ça c'est bien. Au taux d'échange à 264. Et si le gars il veut plus ou moins. Regardez, c'est pas pareil, hein, 9 434. Voilà, en fait, les gens qui achètent des ogrines sur le site, eh ben, ils gagnent plus de kamas à créer une offre que à les acheter directement. Donc vous voyez là 2,5 millions pour 9 000 ogrines et là pour 9 000 ogrines on a 3,6 millions. Donc c'est un peu compliqué à comprendre et à expliquer, c'est un peu flou. Ah oui, je vais vous montrer les levures, comment on peut les faire. Les levures poudre de perlimpinpin, elles sont là. Voilà, bah les prix ont augmenté, c'est bizarre. Bah ouais, vous pouvez par 10. Enfin, même ça coûte vraiment pas cher, hein, ça dépend des serveurs. Source humaine, je sais bien qu'à un moment elles étaient à 1000 kamas les 100. Donc ça coûtait vraiment rien. Alors, on va retourner à la banque et on va se séparer pour aujourd'hui. On aura fait quand même 5-6 techniques kamas qui sont pas mal. Peut-être qu'au prochain épisode, on va soit changer d'élément,
XP un petit peu et peut-être refaire des donjons avec vous les abonnés ou je verrai bien. Moi en tout cas, j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo parce que voilà, j'ai travaillé dessus toute la semaine, des pollens de blob, ça c'est cool. J'ai travaillé dessus toute la semaine à faire enfin à trouver des astuces pour vous les montrer. J'espère que vous les avez appréciées. En tout cas, bon, la technique que je vous ai montrée, c'était vraiment pas mal du tout, je trouve. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce vert pour me faire plaisir, pour faire avancer ma chaîne et pourquoi pas un petit commentaire. Pour me dire si vous avez apprécié ou si vous avez des choses à commenter ou à me conseiller ou je ne sais quoi. Enfin, écrivez tout ce que vous voulez, vous pouvez même en mettre 100 des commentaires si vous voulez. Allez, soyons fous. Allez, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut à tous!